dans le ciel de Noël. Ce soir, c'est le soir de Noël. Dans la jungle africaine, comme partout sur la Terre, on attend le Père Noël. Coco, le chimpanzé, Hatchou, le croco toujours enrhumé, et Trompette, l'éléphant, ne quittent pas le ciel des yeux. Que va leur apporter le Père Noël cette année? Regardez là-haut, s'écrie Coco. Un gros ballon rouge et vert apparaît dans le ciel étoilé. C'est le ballon du Père Noël. Comme il est beau. Il doit être rempli de cadeaux, s'impatiente Coco. Le ballon commence à descendre. Mais soudain, le vent se lève et se met à souffler. Le ballon du Père Noël s'agite dans tous les sens. Il remonte plus haut dans le ciel. Dans son ballon, le Père Noël tire sur les cordes pour le diriger. Mais le vent est trop fort. Tout à coup, un objet rouge et blanc s'échappe du ballon et s'envole. Qu'est-ce que c'est? Demande Coco le chimpanzé. Ce doit être le premier cadeau, répond Trompette l'éléphant, tout content. Sans quitter le ciel des yeux, Hatchoum le croco tape le sol de sa queue. C'est pour moi, crie Coco en attrapant le cadeau. Coco, ravi, regarde son cadeau. Le Père Noël lui a apporté exactement ce qu'il voulait. Un beau sac rouge et blanc pour ranger ses noix de coco. Mais Hatchoum le croco fronce les sourcils. Et nous? Demande-t-il. Le Père Noël nous a oubliés? Je ne sais pas, dit Coco en sautant sur une autre branche. Peut-être que vous n'avez pas été sage. Hatchoum est fâché. Ce cadeau est pour lui, il en est sûr. Au moment où Coco s'approche du plus beau des cocotiers, Hatchoum sort de l'eau et attrape dans sa grande bouche le sac rouge et blanc. Mon cadeau! Crie Coco en courant après Hatchoum. Mais les chimpanzés ne savent pas, ma vie. Hatchoum, ravi, admire son cadeau. Le Père Noël lui a apporté exactement ce qu'il voulait. Un cache-nez rouge et blanc pour Croco enrhumé. Trompette n'est pas content. Ce cadeau est pour lui, il en est sûr. Au moment où Hatchoum essaie sa cache-nez, Trompette arrive en barrissant. Il saisit Hatchoum grâce à sa trompe, le secoue, le repose et lui prend son bien. Hatchoum, tout étourdi, regarde Trompette qui enfile à son pied le cadeau du Père Noël. Une jolie chaussette rouge et blanche. Rends-moi mon sac! Se plaint Coco du haut de son arbre. Donne-moi mon cache-nez! Crie Hatchoum en sortant du buisson. C'est à moi! Hurlent-ils tous les trois à la fois. Bonjour! Fait soudain une grosse voix derrière eux. Coco, Hatchoum et Trompette se retournent. C'est le Père Noël. J'ai réussi à poser mon ballon un peu plus loin et je vois que vous avez retrouvé mon bonnet, dit-il. Les trois amis se regardent un peu embêtés. Du bout de la trompe, Trompette tend sa chaussette au Père Noël. Merci, dit le Père Noël en souriant malicieusement. Et maintenant, devinez ce que je vous ai apporté.